Pourquoi il y a autant de sacs dans la cuisine? T'as fait trop de courses? Non, j'en ai pas trop fait. Je t'ai dit que je devais faire les courses aussi pour demain matin. Demain soir. Mais quoi demain soir? Bah, on va venir chez tes parents. Chez mes parents, mais je suis pas au courant, moi. Mais bien sûr que si. Mais je te l'ai dit il y a 2 semaines. Et je te l'ai rappelé encore hier. Personne ne prévenu. Si, je te l'ai dit. Tu devais même appeler ta sœur pour savoir comment s'organiser. Mais je peux pas appeler ma sœur, j'ai perdu mon téléphone. T'as perdu ton téléphone? Mais comment tu peux avoir perdu ton téléphone? Je sais pas. Ce matin en partant, je l'avais, et quand je suis rentré, je l'avais plus. T'as essayé de m'appeler? Évidemment que j'ai essayé de t'appeler. Bonjour. Vous êtes bien sur la messagerie du 06 12 65. Il est bien ce téléphone. En plus, tu risques pas de le perdre. Ce matin, il y a deux types qui parlaient au boulot. Et ils disaient que tout ce qui se passe en ce moment, c'est la nature qui reprend ses droits. Que notre système court à sa perte. Ouais. J'ai entendu ça aussi ce matin. Mais bon, ça fait combien de temps qu'ils nous rabâchent ça? C'est désallumé. Mais toi, ça t'inquiète pas du tout ce qui se passe? Bah, dans le fond, non. Enfin, la presse fait paniquer tout le monde avec ça, mais c'est ça qui a un réel impact. Parce que ça crée énormément de paranoïa. Les gens, ils sont à cran. Tu sais, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir vider leur compte à la banque. Tu fais quoi? Faut que je finisse mon dossier pour demain. Ils m'ont envoyé les documents à la dernière minute encore. Bah, tu le fais pas, c'est leur problème. Bah, j'ai pas vraiment le choix. Et puis, bah, c'est une question de principe. J'ai les documents, je fais mon travail. C'est du professionnalisme. Bon, bah te couche pas trop tard.
Alerte de niveau 3. Nous invitons toute la population à évacuer les lieux. N'emportez rien avec vous. Dirigez-vous vers les hôtels. C'est pas un entraînement? C'était pas au planning. Bon, tu viens avec moi. Tu peux pas retourner chez toi. Les quartiers de la ville basse sont donc toujours interdits d'accès. Des patrouilles aériennes tentent de retrouver les victimes de la catastrophe. Le Premier ministre devrait annoncer ce soir la fermeture de nouveaux arrondissements, réduisant ainsi pour la quatrième fois en un mois la surface habitable. Une rencontre critiquée dans les points de rassemblement en hauteur de Paris, points de rassemblement de plus en plus saturés. Les ONG appellent le gouvernement à trouver des solutions de logement rapides. Ces appels sont pour l'instant restés sans réponse. Karim Josselin, vice-président de l'ARC, sera notre invité dans quelques minutes. Restez avec nous. Quand je pense qu'on va manquer de nourriture, ça me dégoûte. Eh ben, mais maintenant que tout est décongelé, ça va pas tenir longtemps. Alors faut tout manger. Et heureusement qu'on a une cheminée. Anne voulait qu'on mette un poêle électrique à la place. On aurait eu l'air malin. Le premier bilan des émeutes de ce matin dans les banques de la capitale vient de nous parvenir. Nous dénombrons 17 morts, dont 10 encore non identifiés et 32 blessés. Ceci s'ajoute aux 478 victimes depuis le début de la crise. Nous vous rappelons que c'est... Bon, ça suffit la radio, là, j'en peux plus. Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Claude? Merci. Non, mais tu vas pas t'y mettre aussi? Oui, bon, les banquiers, c'est comme les flics. Hein. On va pas se plaindre s'il y en a deux ou trois en moins. Écoute, Claude, je t'aime bien, hein, mais je vais pas pouvoir rester chez toi. Faut pas t'arrêter à ce que dit André, il pouvait pas savoir. C'est même pas ça. C'est juste que je dois la retrouver. Non, mais tu dérailles, là. Pourquoi? Tu comptes rester ici, toi? Fallait partir avant, on peut plus quitter la ville. Et moi, je peux pas rester ici sans rien faire, voilà. T'en fais pas, elle est débrouillarde. Et puis, il prend pas mal, mais elle a pas besoin d'un chevalier pour la secourir. Le monde est pas si différent vu d'ici. Dans les films, c'est toujours grandiose, impressionnant. Ouais, qui aurait pu croire que l'apocalypse serait si banal? Ouais, la ville a même l'air paisible. C'est peut-être pour ça que Dieu nous aide pas. Puis d'en haut, il doit croire que tout va bien. Est-ce que tu crois en Dieu, toi? Président a quitté Paris hier soir par mesure de sécurité, un départ décrié en cette période de crise. Le président a affirmé prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection de tous les citoyens. Il appelle néanmoins la population à suivre les directives gouvernementales ainsi qu'à la responsabilité individuelle et à la... On rabat en permanence les mêmes infos. On a l'impression de savoir ce qui se passe alors qu'en réalité, le gouvernement nous ment. On nous ment en permanence. On a la preuve qu'ils savaient que les centrales ne tiendraient pas le coup et ils ont littéralement fermé les yeux alors qu'ils le savaient. Permettez-moi de douter sur leurs soi-disant mesures de sécurité. Le gouvernement a créé les SPS, mais ce n'est pas suffisant pour des gens qui ont perdu tout ce qu'ils possédaient. Notre association a fait des maraudes dans ces SPS pour apporter des premiers soins, des repas pour tous ces gens sinistrés qui ont perdu leur logement. Mais le gouvernement encourage l'individualisme. Thank you.
Qu'est-ce qu'il a, lui? Le gouvernement veut récupérer les gymnases de la rue Maltaise. Et les 1200 personnes qui étaient réfugiées dedans vont être expulsées. Quelle bande de connards! Et puis comme les gens veulent pas partir, ils vont en envoyer des CRS. Et pourquoi ils veulent les expulser? On sait pas. Sûrement des investisseurs privés. Et la rue Maltaise, c'est pas près de chez toi? Mais oui, mais imagine que Rachel soit là-bas. On peut faire quelque chose. On devrait pouvoir rassembler les habitués. C'est pas si simple. Il n'y a plus de téléphone ni rien. Communiquer, c'est coton. Ils font ça quand? Après-demain, à l'aube. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Déjà là.